Bienvenue sur Teki, l'émission associative. Au programme des jeux, du fun, une équipe dynamique, on vous présente la Ludoplanète. Bon, la rue pour tous, c'est un collectif d'associations d'Île-de-France qui a mis ça en place il y a 2-3 ans et qui a décidé de construire un label autour du principe de bloquer une rue à la circulation motorisée, ouais, et au stationnement, ouais, pour que chacun reprenne place dans l'espace public. Comment on fait vivre la rue, comment elle devient un espace où on peut s'amuser, où les enfants retrouvent leur place plutôt qu'un espace où c'est danger, etc. Voilà, comment on essaye de faire ça tous ensemble. Alors on a fait appel aussi à un collectif d'associations beauvaisiens, le Beau Vélo, le Tcho Café. La Ludoplanète, c'est une association de diffusion du jeu. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition des jeux pour tous dans différents lieux, en fait. Donc quand on est en itinérance, l'idée, c'est d'aller vers les différents publics. L'association a été créée en 2010. En mai 2010, et en décembre, on avait déjà fait une trentaine d'interventions. Donc on fait aujourd'hui à peu près 250 interventions par an. On intervient aussi comme porteur de projet. Donc, on intervient sur les quartiers prioritairement et on mène une ludothèque en pied d'immeuble qui s'appelle la boîte à jeux, qui se déroule de juillet jusqu'en août. L'idée là de la rue des enfants aussi, c'est de mobiliser les parents, de les convaincre sur le jeu, sur l'utilité d'un temps convivial, pour qu'ensuite ils soient amenés à s'investir. Oh,